Salut YouTube! Incroyable, regardez, le chat est déjà déchaîné, quelle émotion du gaming! On est là, on est présent, indéfinitivement donc, sur Thimbleweed Park, d'Oron Gilbert, entre autres. Un énième point and click hommage. On va découvrir ça ensemble. Est-ce que ça joue, tire trop sur la carte de la nostalgie ou y a-t-il encore du génie chez Oron Gilbert? J'en profite que la musique de Bokida soit derrière pour vous rappeler que Bokida sortira le 17 mai et que ça y est, j'ai mixé, finalisé la bande son qui durera plus de 2 heures et qui sera disponible avec le jeu ou séparément. Avec le jeu, évidemment, elle sera un peu moins chère. Et on verra pour une sortie en physique, voire du vinyle, si jamais ça vous intéresse, vous les hipsters. En tout cas, c'est parti. C'est que du bonheur. Bien entendu, le moment que tout le monde attend, du cul, le générique. Oh là là! Oh, il a fast forward! Vous avez eu ça? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Oh non! YouTube est choqué! C'est bon. Je me sens streamer fini à la fin, comme un let's player de 15 ans qui stream sa première partie de League of Legends. Je me sens comme un quarantenaire sous coke qui joue devant son fond vert. Et en plus, des jeux pas très chers où t'as pas besoin de vendre ta mère, comme Call of Star FIFA. Je me sens indéfinitivement un streamer à la pisse. Indéfinitivement un streamer à la pisse. Je me sens comme un demi-atomium auquel on aurait cruellement interdit la life pleine millénium. Je me sens comme Julien le journaliste qui vit sans envie car le client lui dit il faut qu'on en vende. Je me sens indéfinitivement un streamer à la piste. Définitivement un streamer à la piche. Hey! Oui, non mais c'est vrai qu'il faudrait que je le mette directement dans la scène du jeu. Parce que c'est vrai que la outro elle dure 8 ans. Vous êtes chaud? Je vous entends pas, Clamart! Incroyable. Qu'est-ce qu'on vibre? Non, mais qu'est-ce qu'on vibre? Bonsoir. Bonsoir. Donc, et bienvenue. Bienvenue dans un monde de merde avec Ron Poulenc. Bienvenue dans Thimbleweed Park. On va découvrir ça ensemble. J'ai mis le son à fond et pour l'instant, le son a l'air calme. On va voir si ça restera raisonnable. Merci, Sir Stromings. Pour les 5000 euros, c'est une somme. Merci à Arlionas et Unit 287. Bienvenue à vous. Bienvenue au nouveau. Incroyable. On va voir donc. La boule magique. Et merci Yak 2404. Que de subs, merci beaucoup. On va voir donc si c'est du bonheur en barre ou de la nostalgie. De l'arnaque. Salut Bablabla. Et tout le monde. Allez, on est chaud. Ah non, j'ai encore les notifs Steam. Ah non, mais arrêtez! Pourquoi il me remet par défaut en ligne? Jamais, au grand jamais. Voilà. Foutez-moi la paix. Alright, let's go. Alors, évidemment, c'est le texte qui sera en français. La voix reste en anglais. Le voice-over est en anglais. Alors, je vous signale évidemment que dans un souci d'optimisation, voilà. Ah non, ça marche pas. Bref. Dans un souci d'optimisation du stream, bien évidemment, et par respect des viewers. Voilà, c'est super important quand même de le montrer, ce qui est les coulisses du stream. C'est important de le montrer, évidemment. Pendant ce temps à Veracruz, voilà, on optimise. On optimise. il faut fermer les TM dans le jeu de la pisse. Allez, on est parti.
Alors, qu'est-ce que c'est que ces conneries dès le début? Mode casu. Vous découvrez les jeux d'aventure ou vous préférez une expérience plus rapide? Il y a tant d'autres choses à faire dans la vie, telles que Final Fantasy Bravely, jeu de la pisse. Et inclut un tutoriel moins cher que gratuit. Ou le mode difficile, bien entendu, vous êtes un joueur expérimenté et tenez à résoudre toutes les énigmes. Pour vous, rien n'est plus important que les jeux d'aventure. Une fois un mode choisi, il n'est possible d'en changer qu'en lançant une nouvelle partie. Vous pouvez jouer en casu, puis rejouer en difficile pour voir toutes les énigmes. Alors si on joue en casu, évidemment, les gens vont me juger. On va jouer en difficile, donc en espérant que les énigmes soient moins tordues que dans un Discworld, par exemple. Sinon, la PLS du cul, évidemment, qu'on va jouer en difficile, comme toujours. Merci beaucoup, PK Lugard, des bisous, PK. Alors, ma bite est un volcan. Allons-y, mode difficile, assumons. On est venu ici pour souffrir, ok? Voici que tout de même, malgré le mode difficile, un mini tuto. Un objet interactif est indiqué par du texte au-dessus du curseur, bien entendu. Vous voyez à l'interface, évidemment, hommage évident du pixel, du gros pixel qui tâche avec l'inventaire à droite. Et 9 actions, ouvrir, prendre, tirer, etc., etc. Utilisez les verbes pour donner des instructions à vos personnages. Alors ce qui est bien, voilà, c'est que c'est quand même... C'est le point and click post... post-King's Quest. C'est-à-dire que voilà, c'est quand même... On n'a pas à taper des trucs au pif dans le clavier. Les objets récupérés par votre personnage sont rangés dans l'inventaire, bien entendu. La boule magique. Hey, mais je sais ce que c'est un sprite, je suis pas un amateur. Merci beaucoup, 106 l'éclate. Bienvenue. Une commande simple commence par un verbe et se termine par un objet ou un personnage. Prendre la clé magnétique. La oh là là, mais magique. Ça ne s'arrête jamais. Et c'est que c'est ferrailleux. Sexe ferrailleux. Ça alors. Une commande complexe commence par un verbe suivi d'un objet et se termine par un autre objet ou un personnage. Ah oui, d'accord. Utiliser objet de mon inventaire sur un élément du décor. On est vraiment sur la base de la base du cul. Pour plus d'informations sur les différentes interactions possibles, sélectionnez les options. Puis LED, Easy, Money, Lisa Money. Let's go. Oh my god! C'est un jeu qui va faire peur? Comme Bad Dream Coma? Play Fiddle. Alors pour le coup, je me suis absolument pas renseigné sur le jeu. No spoil, hein. Spoil égale ban à vie, bien sûr. Merci beaucoup, Kilvinsky, bienvenue. Et on va voir ensemble de quoi il en retourne. Quelle est l'intrigue? 80 personnes, donc, dans cette petite ville de Thimbleweed Park. What? Quelqu'un est mort de décès. Et déjà un succès. Je suis un peu un achievement hunter. C'est beau. Et puis ting, c'est beau, hein. Donc rigolo, hein. Évidemment, nouveau moteur. Pixel art, mais nouveau moteur. 60 FPS. C'est sympathique. La boule ça n'arrête pas. Merci beaucoup Big Boo 56. Oh mon dieu, on est joue-t-on un alcoolique? Ah non. Ah oui, une animation plus fluide. C'est rigolo, oui, on retrouve évidemment. Halfway around the world and an odd note is waiting for me in my hotel room. It says to come to the bridge down by the river. Nous y voilà. This looks like the place. Indeed. I could really go for some Wiener Schnitzel after the long walk. Ein Wiener Schnitzel? Est-ce que ça va être Gabriel Knight 2? Donc voilà, nous y voici. La boule. Merci beaucoup, Jack Scullin. Ah, I am Jack Scullin. Très bien. Fight Club, bien sûr. Donc oui, ces grosses têtes sur des petits corps qui rappellent évidemment le character design de Maniac Mansion. Alors, si j'imagine que si je fais clic droit, voilà, j'ai le raccourci. Voilà. Alors, j'ai un message sur moi, quel est-il? Vous avez bien fait de considérer qu'il s'agissait de la meilleure solution à notre problème, Boris. Il y a des yeux partout, alors suivez attentivement ces instructions. Pour votre sécurité, laissez votre pièce d'identité dans votre chambre d'hôtel. Ce qu'on a fait, visiblement. Suivez le sentier du pont jusqu'à atteindre la rivière, très bien. Éteignez la lumière du panneau afin de m'informer de votre arrivée. Ah, le signal. Et rejoignez l'entrée des égouts. Assurez-vous de ne pas être suivi, à part le clochard de l'espace, par exemple.
It is my wallet and it has 252 American 250 bucks. On est riche. Moult bits. It is the key card for my room. Okay. It is a pillow bear prototype. Turn the bear inside out and you get a pillow. Incroyable. C'est le futur du passé. Un nounourson oreiller. Merci beaucoup. Fuck. Allez, ouvrez la porte avec clic droit, donc raccourci. Who are you? Why are you, Clodo? Donc clic gauche, évidemment, déplacement. Parlons à Clodoman. On va pas lui donner de l'argent. Quoique si je lui donne de l'argent, j'aurai peut-être moult renseignements. Parlons-lui. I am supposed to meet super someone down here. Super, l'agent secret. Have you seen anyone? Do you have any whiskey? Petit bâtard. Arrête de boire. Injonction. Arrête de boire. Sober up, sir. I'm glad Chuck is dead. Ruined my life. Petit bâtard. Je t'ordonne d'arrêter de boire de l'alcool, de devenir vegan. Wake up, sir. I have to go. Et de voter Emmanuel Macron. Incroyable. Bon. Soit. Il est mort de décès, alors peut-être qu'en lui donnant du pognon. Bref, pour l'instant, avançons. La boule magique. Je regarde le panneau. Mais ça n'arrête pas. Merci beaucoup, blabla. Prends sa bouteille. Oh my god. Si c'est du spoiler, déjà, je vais vous casser le cul. Hein. Non, pas d'attaque. Alors on peut peut-être le tirer. Ah putain, je vais tirer. Tire le clodo. Réveillez-vous. Réveillez-vous. I have to go. Sleep well. J'ai mon oreille. Ah non, arrêtez de me... Ah, ils vont me souffler tout. Quel est le panneau? Trestle Trail to Thimbleweed Park. 1.7 miles. Et pour l'instant, avançons. Oh, c'est magnifique. Les clapotis, les lucioles. I had better follow the instructions on the note before wandering into the underbrush. Ah oui, éteindre la lumière, bien sûr. The light is turned on and I do not see a light switch. Comment ça, pas d'interrupteur? Ma vie, c'est de la merde. I do not see a way to turn it off. Mais déjà les embrouilles du cul. Utilise ton nounours. Nor do I need a hack from a bear. Ok, Clodoman, I need your help. Tiens, prends du pognon. It is my wallet and it has 252 American prends dollars. Prends du pognon. I'm sure the poor fellow could use the money, but I am not here for philanthropic purposes. I have to go. Sleep well. Veux-tu mon nounours pour dormir mieux? I'm sure this man is not the one I'm meeting, so he does not get the prototype. Je le pousse. Pousse le clodo. I have to go. Sleep well. I have to go. Ah mais t'as toutes les actions mènent au dialogue finalement. Ah mais il y a le sentier du pont. Ok. Mais motherfucker! Alright. Bon, alors, étudions, voilà, comme dans Bad Dream Coma, bah voilà, prendre la pierre. Comme dans Bad Dream Coma, il suffit de regarder ce qui se passe. Bon, bah, utilise la pierre, casse tout, casse la lampe. Paf! Vie de voyou! There, I have completed step 3 of the note. Now for step 4. Let's go, les égouts. Oh mon dieu, mais où va-t-on? C'est terrible. On voit rien, ça me rappelle Monkey Island dans le manoir du gouverneur. Ok. Quel est ce vieil arbre? Ah! Saloperie! Oh my god! Game over, GG. Rendez-vous au prochain épisode en DLC. Aucun de nous ne s'attendait à ce que nous allions découvrir cette nuit-là. Ni d'à quel point cela allait affecter nos vies à tous. Achievement Hunter, mon gars. Incroyable. Ah, voilà Murder Scully. So tell me again why you're here. I was assigned to the case by the home office in Albuquerque. Albuquerque? Mais c'est comme There Breaking is Bad. No home office in Albuquerque.
It's neat to know. Look, I like working a case alone. I especially don't need some junior agent messing up my investigation. Especially some junior agent that thinks I don't know there isn't a home office in Albuquerque. So stay out of my way. Take a lot of notes. Sit back and learn. And I'll wrap up this case and we can both get the hell out of here. Your reputation certainly precedes you, Agent Ray. I'll take that as a compliment, Agent Reyes. It's how it was intended. I'm sure it was. Let's photograph the victim and head into town to talk to the local sheriff. The body is starting to pixelate. Body starting to pixelate. This is going to be a long night. Merci beaucoup, je suis un Valarjar. Et des bisous, Technologeek. Donc moi je joue qui? Ah non, est-ce que je... Ah, je peux switcher de joueur, c'est ça? Oh my god. Ah oui, non mais... Ça va être la méga embrouille ici. Parce que switcher entre deux persos veut dire interaction entre les persos, deux inventaires à gérer et des réactions différentes selon le personnage. Et donc ça rend tout de suite le truc plus embrouillant. Allez, donc Mecton, il a son acier. Detective Antonio Reyes. Antonio Reyes. It's definitely my badge. Le corps commence à pixeliser. Je sens que Ray va m'agacer rapidement. J'espère qu'elle va se concentrer sur l'enquête et me laisser faire ce que j'ai à faire. Monté dans le bus à Albuquerque. Je suis enfin arrivé à Thimbleweed Park. Je me prépare à aller examiner le cadavre. Ça devrait faire la couverture idéale. La couverture idéale? Je suis toujours sur la route. Ça fait une trotte depuis la ville. J'ai trouvé le corps. Une certaine agent Ray est là aussi. Bizarre. Personne n'aurait dû se voir attribuer l'affaire. Je crois avoir entendu parler d'elle au bureau. Il se peut qu'elle me pose des problèmes. Ne pas oublier d'appeler maman ce soir. It's a sample package of Polaroid film. It only contains one photo. Bon bah donne la pellicule à Ray. Sure, I'll carry your crap. Si elle a besoin. It's an instant camera, but there's no film in it. Alors, mettons la pellicule dans le polar. The cell phone has no reception. Un Bebop. 1987, ça se voit qu'elle bosse pour le FBI. Alors elle, c'est quoi? Arrivée en ville tard dans l'après-midi, qu'elle trouvera. Je vais éviter tout contact avec la population locale jusqu'à l'examen des cadavres, histoire de voir si je peux m'épargner ce qu'elle veut. La route est longue, j'espère ne pas avoir à me la retaper. Arrivée au cadavre, ça devrait faire une couverture idéale. Et du bruit dans les broussailles, quelqu'un approche. Ah oui, elle écrit tout ça. Super, un autre agent vient d'arriver. Je ne savais pas que le bureau avait été alerté, il va falloir que je le baratine. Mon infion. Detective Angela Ray, senior agent. It's my badge. Ok, donc faut prendre une photo de cadavre man. Appears to be a male, approximately 40 years old. Looks like he's been in the water for 24 hours. You can tell by the pixelation around the nose. Bien sûr. Neck. Let's see here. Waouh, voilà. Elle le loot. Oh, il a été looté. A card, possibly a key card from a hotel. Ah, ils ont... Ah, et d'accord, le carnet a remu parce qu'il était mis à jour. Ok. La victime est un homme d'une quarantaine d'années. Oui, bon, c'est ce qu'on nous a dit, quoi. Est-ce qu'on devra utiliser notre carnet pour... The cell phone has no reception. Pour des fois... Comment dire... Le mettre en opposition avec des faits. Il y a une bouteille ici, d'accord. Ah, la bouteille du Clodoman. Est-ce qu'avec Tab, je switch de perso? Ah, Tab me montre les points d'intérêt. Ok. There appears to be a small hole in the back of the head. Origins unknown. The hole in the victim's head doesn't look like a gunshot. More like a puncture from a sharp object. Which is odd, because the opening title sequence clearly showed a gunshot with accompanying sound effect. La boule magique. C'est beaucoup Schlich. Bienvenue. Ok. Donc oui, prenons la photo. Je vais en pose avec Select. Petite musique d'ascenseur. Ah, on peut mettre la police rétro. Les verbes rétro. Classique, il y a plein de petites couleurs à la, enfin de settings à la con. Ils ont dû se faire chier à mettre des milliards de, évidemment, de choses cachées dans les dialogues.
Bon bah utilisons le polar sur le cadavre. Il n'y a qu'une seule photo d'un pellicule. Superbe. Now we can head into town and find the It's a good photo of the body. Bonne photo du cadavre. I like how the state-of-the-art camera can alter the angle of the shot. It's an empty whiskey bottle. Bah prends là. It's an empty whiskey bottle. Definitely not the murder weapon. Wrong sized body hole. The bulbs broken. Trestle trail to Thimbleweed Park, 1.7 miles. J'ai pas besoin d'utiliser le Polaroid pour tout et n'importe quoi. There's no film in the camera. Oui, d'accord. Ça règle le souci. Claude Oman, évidemment, il est reparti. Oui. Mais attendez, ils font leur vie ensemble. L'autre va me suivre. Ah non, d'accord. Oh là là, mais alors, oh là là, ça va vraiment être de l'habitant en bois. Parce qu'en gros, oui, je peux basculer sur l'un ou l'autre. Ah oui, du coup, ça va vraiment rendre le tout plus compliqué. Parce que là, par exemple, j'ai rien pris avec Jackie. His suit looks tailored, possibly European in design. Attendez, on pouvait continuer sur la droite, du coup. Oui. Ah, diantre. Quelque chose d'étrange. It's covered by the underbrush, but it's an old abandoned chainsaw. Quoi? Fool me once, shame on me. Fool me twice. La tronçonneuse de la désillusion. It's an old abandoned chainsaw. Definitely not the murder weapon. No missing body parts. Quel enfer. Quoi? What was that? Violin music coming from the sewer? Qu'est-ce que ça veut dire? There are signs of a struggle here. This is clearly a drag mark. The victim was obviously knocked out here, ah, then dragged lui over va mettre ses notes à jour du coup. I don't see any blood, so I think he was actually killed in the water. Ah, bizarrement, hein. Il ne l'inscrit pas dans son truc. The trail ends here at this huge rock wall. Alors, est-ce que on peut bourrer l'arbre? I can't use it until I find some chainsaw gas. Motherfucker. Motherfucker. Oui, petit chien. OK. Bon, soit. Allons sur Nana Woman. La boîte de thon. Is an empty can of Crockford's tuna heads, the good parts. Génial. Une boîte de thon vide. On est gâté. It's a trail down to the railroad trestle. Ok. Oh là, oui. Une cartouche Atari. C'est E.T. Behind jaggy lines from Mucus Phlegm Games. Ah. I don't get it. Who'd ever let a game be named that? Petit hommage à LucasArts. Allez, on y va. On a une cartouche Atari. Have you played Atari today? Qu'est-ce que c'est que ça? Les frères pigeons. Allez vers le tract du cirque. It's a circus flyer with a crazy looking clown. Ah non. Pretty good makeup though. S'ils nous refont le coup du cirque de Monkey Island où on ira 8 ans de pouvoir jouer. Signals are very strong tonight. Ce sont des plombiers déguisés en pigeons. Pourquoi êtes-vous déguisé en pigeon géant? C'est une question qui a du sens. Why are you dressed like a giant pigeon? We're the Pigeon Brothers Plumbing. I'm Beth. That's my sister Emily. Hi there. But remember, signals are very strong tonight. Oui, là, et voilà. Why brothers if you're sisters? Dad was expecting to have sons. And he was too cheap to have the van repainted. So we're just rolling with it till he's dead. Ça a du sens. Oh, soon. Shut up, Emily. Signals are very strong tonight. Mais quel signal? What signals?
The signals. The signals are very strong tonight. Yes, you already said that. But what signals? I'm just screwing with you. Dark night. Deserted road. Me in a giant pigeon costume? It was too good to pass up. But the signals are strong tonight. Very strong. Putain, les mind games. Oh putain, coup de pression. Ah, évidemment, Meta, Monkey Island. This is really odd. Should I save my game? I wouldn't worry about it. The game was expertly designed to have no dead ends or death. It's ah, still be scary bien. And have a sense of tension. You can feel safe exploring whatever you want. But I'd watch out for the signals. They can be very strong and disrupt the power grid. Visiblement pas de game over comme Monkey Island, mais évidemment des coups de pression. Ah oui, continuons ce débat passionnant. But playing classic adventure games has taught me to save often. That was true, up until Monkey Island. At least with LucasArts style adventures. Then the designers realized that death and dead ends weren't making the game more enjoyable. It was actually making it less fun. Ah, King's Quest, par exemple. That seems like a sensible approach to adventure game design. It is. It just takes a little longer and requires more thought and planning. But it really pays off in the end. Oui, alors oui, vous avez failli m'écraser. You almost ran over a federal agent. That's a felony. Sorry about that. Like I said, the signals are very strong tonight. Ah, le cadavre. Do you know anything about the body by the bridge? Why is it whenever a dead body is found, suspicion always falls to the person dressed as a giant bird? Hey, if the beak fits. We don't know anything about a dead body, but the signals are strong tonight. Very strong. I think I've had enough of you. I need to find the sheriff and solve a murder. Nice talking to you too. Eek! Squeak! Boop! Beep! Eek! Boom! D'accord. Squeak! I don't want to give away evidence. Click, click, click. Click, 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 click. Ah, mais il est où son badge? Was... Ah. Quack! Squeak! I'm a federal agent. Well, that accomplished a fat load of nothing. Super! Je fouille votre camionnette! Click, click, click. Beep. It's a plumbing van driven by big pigeons. Beep. Je réquisitionne votre véhicule. No need. The perps are outside. Ah. Quack. Beep. Click, click, click. Click, 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 click. Cette route de l'infini. Un grain de poussière. Ah, c'est comme l'écaille de serpent. Bien entendu. Dans Gabriel Knight. It's a speck of dust. Mais pourquoi? Pourquoi celui-là plus qu'un autre? It's my speck of dust. C'est mon grain de poussière. Des anneaux en plastique. From a six pack, you're supposed to cut them up before tossing them. C'est vrai saves wildlife. On voit plus ça du tout en France. Vous vous souvenez à l'époque quand vous achetiez un pack de 6 bières, vous aviez les vieux anneaux en plastique qui les maintenaient. Ça se fait plus ça. Bon, anyway. Ah, les pigeons se cassent. Le cimetière. Mais putain, mais c'est infini! Et l'autre, il sert à rien. Et elle, elle prend tout le stuff. It's an empty soda bottle. Ah non, mais c'est trop. On a trop d'objets dès le début. On est en train de doser qu'avec un perso. Il y a des endroits de partout. Oh, ça va être... ça va être quelque chose. Je me demande si on est... That's the cemetery down there. That's the... Si on utilise vraiment beaucoup les deux personnages ou si on peut plus ou moins faire la quasi-intégralité avec un seul. Bon, ce qui est bien, c'est qu'avec Tab, ouais, c'est... On peut voir les points d'intérêt si jamais... Je capte rien par moi-même. Ah, ça rappelle aussi le cimetière de Scab Island. Non, pas Scab d'ailleurs. Monkey Island, la première île. Si, c'est Scab, je sais plus, je crois.
C'est infini. Melee Island, bien sûr. Putain, je suis con. Melee Island, l'île de Melee. C'est dans le 2 qu'il y a Scab, Fat et Booty Island, ouais. Alors. Putain, mais c'est infini. Plus haut, plus haut. Ah, enfin des choses. Les fleurs. Flowers left over from a funeral. Flowers left over from a funeral. Oh mon Dieu, c'est le Chuck. It's Chuck's final resting place, apparently. Oh my God. Ah si, on a volé des fleurs. Elle va en prendre qu'une. I don't need more flowers. Ok. On peut ouvrir? Non. I don't see a way to open it, but I see a switch inside. À l'intérieur. J'ai pas de quoi l'atteindre, j'ai pas un truc style bâton. Ma bête. Ah, Sinel, mes hommages. On vient de commencer hein, pour l'instant et on est en train de faire pas mal. On se balade avec cette demoiselle, sachant que l'agent masculin, pour l'instant, on l'a laissé à la scène de crime. Donc c'est elle là qui a tout le stuff. Quelques dialogues rigolos déjà. On va voir. De toute façon, ouais, pour l'instant, on n'a pas vu. Ça se trouve, sur la route, il y a encore 8 trucs à visiter. Switch de perso. À la limite, ouais, on va passer sur le mec et partir à gauche une fois remonté sur le sentier. Allez. I don't see anything up ahead. I think the town must be in the other direction. Double clic fait marcher plus vite. Ah oui, bien vu. Oui, c'est vrai que les dialogues, ça devait être radicalement différent avec le mec qui est moins autoritaire pour le coup. Quand on arrive en ville. Oh mon Dieu. On nous a filmé. Wait up, eager beaver. Oh, et l'autre, elle s'incruste alors qu'elle l'a laissé en galère juste avant. Ça alors. 80 personnes. Est-ce qu'on va encore perdre des gens? Main Street. It says Main Street. Thimbleweed Park. Nice name for a town. C'est convivial. Superbe. It's dark, but I can see there's nothing in there. Ah, hélas, la tronçonneuse sans essence. I can't use it until I find some chainsaw gas. Willy's Watch and Violin Repair Shop. Ah, Willy. Thimbleweed County's most comme dans mon exclusive Island 2. Watch and Violin Repair. We repair watches and violins for the rich or famous. Superbe. Moi, pour l'instant, j'ai ni montre ni violon. Closed. Looks like they cleared out in a hurry. Ça, cette ville de la misère sexuelle. I can't open that. Howdy, I'm the Thimbleweed Park Sheriff. I don't remember calling the Federinos. That's what you are, feds. Hard to miss the government issue suits. Oh, le shérif redneck, manquait plus que ça. Correct, sir. We are federal agents. Whoa! Hold your horse-a-renos! No need to get snippy. Looks like you heard about our little murder-reno out by the bridge, huh? There is nothing little about murder, sir. Oui, c'est vrai que je suis fatigué. De toute façon, on va découvrir le jeu. On va pas y jouer. He's new. Trop longtemps, on verra plus tard. No si sense in wasting everyone's time, Reno.
This time arena is starting to get long, and it's only gonna get longer. Let's find the coroner and get you on your way. Wrestling starts at 8. Ah. I hope he's talking about on TV. The coroner is waiting for you in his office. Come see me when you're done. I apologize, Areno, for all the lights being off. We don't stay open as long as you city slickerinos do at night. Even for a murder? Especially for murder. That makes no sense. Are we authorized to shoot people Arenos? Okay. Le sceau de la ville. The inscription says Pilotronics, the brain of our city. Pilo? Pilotronics? Pilo Coussin? Et c'était pas la marque du nounourson au début du jeu? Ah, Philippe Lafontaine. Pas le temps de tout lui dire. Slurp. Ah, il faut bien avoir envie d'uriner. Gloop gloop. Ah. Parfait. Le shérif ou le coronary. Allez, la morgue. Howdy who, I'm the Thimbleweed Park coroner. Quoi, mais c'est le même mec en fait. Welcome to the future who. C'est le futur du passé. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, these are the latest in crime-fighting computers made by Pilotronics Inc. This is all probably pretty advanced, even for the Fedahoos. Oh, do enlighten us. Magnifique premier plan. I love your sarcastic humor, who, Agent Ray? It's not humor. There you go again. We're interested in any help your computers. Putain, les superordinateurs, le Bloodtron, le Fingertron et le Facetron. Yes, happy to explain. So happy to explain who. Yeah, you might want to take notes. Ah, on adore ça. On it. Ah oui. Ah, parce qu'il y avait le Plasmatron aussi. Mais non, c'est le Bloodtron. Ah oui, c'est parce qu'ils l'ont traduit, d'accord. Tell us about the Bloodtron 3000. Donc le sang, l'analyseur de sang. This is the Bloodtron 3000. Put two bloody objects in and it will match the blood type, printing out a report to who. Incroyable. Tell us about the Fingertron 3000. Right, Areno, the Fingertron 3000. Insert a fingerprint registry of known criminals and a fingerprint from the murder weapon on fingerprint tape and it will do a match of who. Incroyable. Oh, tell us about the Facetron 3000. The Facetron 3000. Or, as I like to call it. Let me guess. The Face Areno? No, that's what the sheriff calls it. You. Ah, les gens de la ville, là. Crack me up. Just insert two pictures of an individual and it will verify a positive match. Deux photos, d'accord. Vous êtes le shérif, quand même. Aren't you the sheriff Areno? Oh my, no. No who. Well, people say there is some resemblance around the eyes. But we're as different as peas of who's in a pot of who. Plus, the sheriff has that annoying Areno he adds to everything. Ah, bien sûr. You'll never hear me doing that a who. Sure. Whatever. Alors, oui. Did you use these computers to investigate the Pillow Factory fire? Oh, sure did. Four computers positively showed the fire was caused by the factory guard. No doubt a who about it. Ah oui, les ordinateurs peuvent-ils se tromper? Could the computers have been wrong about the fire? Not these computers. Oh, the state-of-the-art a who computers made Encore by eux, Pillowtronics. Oui. Absolutely infallible. Ah voilà, exactement. Isn't there a conflict of interest with Pilotronics and the fire? Whoa now! Pilotronics and its founder, Chuck, are above reproach. Mais il est pas mort de décès? Chuck built this town and was a computer and pillow genius. Are the feds looking into this case? It was solved 20 years ago. No, he's just curious. He's a Pillow Factory fire buff. He's got a CompuServe chat room and everything. Un pelouche. Merci beaucoup, Sleaf Goodman. Crew 40 ans, bravo. Benzinosaur, aussi 22 ans. Fascinant. Fascinating stuff. I think we've heard enough.
This is all very impressive, sir. This should cut hours of our investigation. Hey, go see the sheriff in his office for a full explanation of the amazing Arrestron 3000. Quoi? I have some paperwork to do, Ahu. Oh, yeah, almost forgot. These Tron machines aren't fully voice-activated, so if you need any information, just talk to them. It's like we're living in the futuristic year of 2007. Incroyable. C'est le futur du passé. I hate this town. Let's investigate these Tron machines, then go see the sheriff and get out of here. On peut pas observer ces magnifiques pieds. Mais il y a des trucs, un tube à vide. It's a pretty big vacuum tube. Lots of medical books there. On va parler au Bobinotron. Combien font 5936 multiplié par 5546? Cette voix de robot du futur, du passé! 8.185352772. Incroyable! Oh non, on va le faire péter! On va le faire péter! Oh, fallait pas lui demander ça, le dernier chiffre de pi! Oh merde! The primary function of the Phastron 3000 trademark is to analyze a photograph of a dead body and compare it with an official photographic ID to provide a positive identification of the Ah, cette voix de l'enfer! Alors, on a une photo du cadavre. Procure an official law enforcement camera. Oui, oui, c'est bon. Il t'explique comment le faire, c'est formidable. Alors, il faut une pièce d'identité officielle. Avec la photo de la victime, tout simplement. On a déjà la photo du cadavre. Oh, ça, c'est un gros spoiler, ça, non? Une carte de fidélité du Burger Chuck pourrait faire l'affaire. Ok. Insert a fingerprint registry of known criminals plus a fingerprint from the murder weapon on fingerprint tape. Alors ça, the Fingertron 3000 will check if they match and print out a report. Fully voice activated. Stop reading and start talking. Mais attends, j'ai pas... J'ai des trucs pour relever les empreintes sur moi, là? Et il marche son téléphone... Ah oui. On ne sait pas qui a appelé pour l'instant. Il doit y avoir des easter eggs avec le téléphone aussi. Ok. Magnifique schéma. Chewy Caramel Center. Ugh. Awarded to Dr. Mort E. Shun. Ah, le docteur John Duff. Magnifique squelette. It's a medical skeleton. Please return to Dr. Fred. It's empty. Ah putain, vas-y. On est des ouf. It's empty. There's a fingerprint kit here. Eh ben voilà! Alors. Utilisez ça. Cette bouteille est. I don't want to waste the powder on that. I need to dust the murder weapon. Il faut trouver l'arme du crime. Une fois qu'on a une. Un feeling clair sur l'arme du crime, c'est là que ça va jouer. Docteur Fred, oui. It's a dark and smelly flight of stairs leading up to the door. Allez! Oh putain! On a laissé Jackie en galère. Bon, et le shérif, donc, il n'a rien à voir, bien sûr, avec le légiste. Hello again, Agent Arenos. Hopefully, the coroner ah, le donut en premier plan, bien sûr. Of the art Areno computers. That's some very serious computing power you've got there. Ah bah finalement, il faut intervenir le mec. Yes, sir, Areno. Alors que je suis en train de faire la nana. It's all state-of-the-art computer Arenos from Pillowtronics. Absolutely infallible. Non mais voilà, vous êtes le même, arrêtez vos conneries. You, I mean, the coroner said something about the Alors, ah oui, on le voit, son, il a... yes, the Arrestron 3000. The last step in a fully Salut. Computerized Areno arrest. The final link in the chain of a guaranteed conviction. Ah, sans procès, formidable. Every detail Areno analyzed and verified by computer. Moving on. Right, sorry Areno, I get carried away sometimes.
Oui. This is the big bad boy Areno you've been hearing about. Ah, c'est en trois étapes, là. The Arrestron 3000. Just feed three reports from other Tron machines into this, and it issues a 100% Areno valid arrest warrant. Yeah, these machines are the reason we need only one law enforcement officer Areno. Chuck said that computers will soon put us all out of work, allowing for a full life of luxury. Bien sûr. Oui, alors qui... Oui, Chuck, bordel. Who is this Chuck we keep hearing about? On a vu sa tombe, mais c'est tout. Sadly, Chuck passed away a few days ago. Quelques jours. There was a big service out at the cemetery, Areno. Oh, the entire town showed up, which isn't surprising for the hero of Thimbleweed County. We'll talk more about Chuck later. I need to run Areno and check on a disturbance call out at the old circus. Probably that stupid clown Areno again. Ah, le mec sans pression. Looks like we need to go talk to the rest of the weirdos that live in this town. Oh, bah du coup on va pouvoir. We should split up. It will be faster. You cooling your heels in the local diner would also make things go faster. If we follow agency questioning protocols, this shouldn't take long. Just don't mess anything up. I want to get out of here as fast as possible. Agreed. Bah, d'un côté, oui, c'est intéressant de séparer l'activité, mais si j'ai un maximum de trucs sur un perso, c'est plus pratique quand même. Dans un premier temps. Just a bunch of files. There's a fingerprint book here. Un registre d'empreintes, oh mon this dieu. This has fingerprints for everyone in Thimbleweed Park. This has fingerprints d'accord. for everyone in Thimbleweed Park. Très bien. Certified Fingertron 3000 compatible. Just a bunch of files. Bon bah c'est bien. Donc on aura juste à comparer les empreintes qu'on trouvera avec ce dossier. Wanted, Pickle Bill and the Cucumber Gang. Wanted, huh? A meteor? Wanted, Shady Jane and the Sunshine Gang. Incroyable. It's a police radio. Looks like it's on and ready to use. It's a pretty big vacuum tube. Incroyable, même la radio est 3000. It doesn't have any buttons. Must be for incoming calls only. I need to stay focused and solve this murder so I can do what I need to do. Je l'ai mis totalement à poil, lui il a trouvé la tronçonneuse et c'est tout. Bah la tronçonneuse du coup. Ah oui, mais on avait défini que ce n'était pas l'arme du crime. On va jouer la nana hein, du coup. Allez. La différence des deux persos est pas claire. Enfin, ils ont leur caractère bien sûr, mais on ne sait pas s'il y a des actions encore exclusives à l'un et l'autre. Ah merde, j'étais bien là. Quand ils sont occupés. Qu'est-ce qu'il branle ? I can't open that. Ah, il y a une clé. Prends la clé. Don't touch our Wrenchtron 3000. Putain, mais c'est quoi ce délire ? Someone like me with the proper training can handle it. Même la clé, elle est 3000. Les pigeons, quoi. Smart Buy Electronics. Putain, mais tout est fermé, c'est la misère. It says, after 34 years of serving the Tri-Thimbleweed County area, we had to close our doors. We should have listened to Chuck. Transistors are a dead-end path. Tubes are the future. C'est vrai qu'ils sont tous thank au tube. You, our loyal customers. Ça va être compliqué de faire un indéfinitivement là-dessus, parce qu'on peut pas en montrer qu'une heure. Là, on est vraiment au tout début. On n'a pas encore résolu quoi que ce soit. Là, on a surtout commencé à récolter, à former notre inventaire. La banque. It says we're out of the old abandoned pillow factory. Back soon. Mais pourquoi? Safely first savings manager, Mr. El Polo. Salutations. Celles et ceux qui arrivent. Ah, déjà des OOB sales dans Ukulele.
Mais en fait, Yooka-Laylee, j'aurais pu le faire. D'ailleurs, il y a un viewer là qui m'a proposé de me passer une clé. All boarded up. Not even en fait, any wilted flowers ça aurait pu left être marrant de le faire parce que moi, je l'avoue. Ah, la ruelle, est-ce que ça va être comme dans Monkey Island Parce que bah, Banjo-Kazooie et Banjo-Tooie, je connais de nom et de réputation, mais je les ai jamais fait. Donc moi, j'aurais eu un œil neuf sans nostalgie dessus. Et j'aurais, ça aurait été rigolo de voir si je kiffe ou pas. ThimbleCon. ThimbleCon 87. It's opening later tonight at the hotel. Putain, mais y a rien d'ouvert. Ah oui, c'est totalement. Non. Non, mais c'est elle qui avait tout le stuff. Oh my fucking god. What? Alors ça, c'est surprenant. Autant le début, c'était scripté, on s'y attendait, mais là... Donc oui, c'était un énorme hommage, évidemment, à la ruelle de Monkey Island, où on s'embrouille avec le Chuck. Ah et putain, en plus, c'est avec la fille que j'avais récupéré l'intégralité des objets. Lui, il a juste pris une tronçonneuse dans des buissons. Attendez, mais il se disait qu'il n'y avait pas de game over possible. On va voir, hein. Une pièce de 10 cents. Parfait. Oui, pourquoi ils sont à poil d'ailleurs? Looks pretty. That looks like Agent Ray's notebook. I hope she's okay. Ah, j'hésite à aller là, hein, parce... Allez, on est où? Pretty disgusting. I'm not opening up that disgusting trash can. It's an empty box. It's just a stack of empty boxes. It's the back door to the diner. What a mess. It's locked. Ah, ça, c'est sa to-do list à lui. Oui, là, ça, c'est le... Comment dire? Le mode d'emploi pour résoudre, entre guillemets... Enfin, arriver au mandat d'arrêt, d'arrestation. Le carnet d'oreilles. Definitely Agent Ray's notebook. I will of definitely Agent Ray's notebook. I will of course refrain from perusing its contents. Agent Protocol. Ah oui, d'accord, lui c'est vraiment Monsieur Loyal. Moi, putain, mais quel enfer! Definitely Agent. Mais clique sur ce putain de carnet, c'est ce que je fais. C'est quoi votre problème? Nom d'un fion. Mais c'est l'enfer! Comment je fais maintenant? Tous mes objets. Ah, oh, des hot dogs, ça me rappelle. Ah, delicious. I can't wait to eat one. Ça me rappelle le SGDQ. Acheter des trucs gras et sales à 5h du matin avec Fizzle au 7-Eleven. It's turned off. Très bien, on peut l'allumer. We interrupt our hostile takeover non-stop music with this important message. You're listening to KSCUM 198.7 on your FM dial. And now back to our special hostile takeover song. Gros son. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il brûle dans sa cuisine? Il fait brûler des trucs. Salut Sandy! Welcome to the S&D Diner. Hey, just so you know, that article in the Thimbleweed Nickel about botulism was a smear job. So, what can I do for you, honey? I'm a federal agent. Know anything about the dead body? Not too much, just scuttlebutt from the morning breakfast crowd. And I don't want to get into trouble, especially with a crazy person like him. You're not talking about me, are you? Shut up, Dave! D'accord, Sandy et Dave Dinner, donc. We're the feds, you can trust us. What else do you know? Okay, honey, but you didn't hear this from me. Ah. I'd look into that crazy clown that lives out at the old circus. Ah oui. He's been out there since the circus closed down years ago. Never takes his makeup off.
He's got serial killer written all over him. It all happened about 9 or 10 years ago. J'ai vu qu'il ressemble à Dexter. Là. Ah, qu'est-ce qui s'est passé avec le clown? Ransom the Jerk was the featured act at Stupendous Brothers Circus. He was about ready to go on stage. Oh non, pas les frères fabuleux. Big night tonight. Full house after my raunchiest Tonight Show appearance. I really got Johnny good, that little jackwad. It's his own fault for not being able to take a joke. I better get ready to go on stage and insult the crap out of these thimbleweed idiots. I just need to fix my hair. Ah merde, on joue le clown, d'accord. Je déteste les clowns. Alors, bip de to-do list de Ransom, le bip de clown. Fuck, fuck, fuck. Alors, il faut qu'il mette son nez de clown. Il faut qu'il récupère son putain de blaguier. Qu'il rend sa coiffure, sa clown fro géniale. Qu'il applique son putain de super maquillage de clown. Et qu'il aille sur scène insulter ces putains d'idiots. Très bien. Bon alors, il est où ton nez de clown, Gronaz? My circus poster featuring the amazing Ransom the Clown. Ah bah le nez de clown est là. Face. Hop, tiens, mets ton nez de clown nul. Hilarant. That's tight, but it'll have to do. Glad I only have to wear it for a couple of hours. Son blaguier donc. Quel est le message? It's an IOU. I, Carney Joe, loan Ransom the clown $1,000 and will hold his joke book hostage until I gets paid. Ah mais merde, donc c'est lui. It's my lumpy circus poster. On l'a pas parce qu'on doit rendre 1000 balles à un mec. It's my lawyer's business card. Y a un numéro. It's my lawyer's business card. Brent, what the hell is this? The number. The number of flags over the big top main opening. The number of stars over my makeup mirror. The number of kids that Carney Joe has. D'où Jésus? Qu'est-ce qu'on a dans le frigo? Que dalle. Et le four. Ok. Les trophées rutilants. Meanest clown of 1977 and 1978. Ransom the clown. Ça commence à dater. Very cozy. My maid changed the sheets today. My hair is all frizzy and I'm not wearing my special Ransom clown makeup. I can't go on like this. Ah oui, faut s'occuper aussi, c'est vrai ça. Together, clown. S'occuper de sa coiffure. Le robinet? My housekeeper does a pretty good job of keeping this place clean. Est-ce qu'il y a... Allez, mets-toi de l'eau dans les cheveux. Utilisez. Le robinet. It's pouring out water. C'est pas clair. La fille, pourquoi elle est bosselée? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Je tire. It came off the wall. Ah, d'accord, on a un coffre-fort. Allez vers le coffre. It's my locked safe where I keep all my money. Oui, mais c'est quoi le code? Let's see if I can remember this combination. Ah, mais je sais pas. Ah oui, mais attendez, il y avait cette histoire de truc. Well, that didn't work. Là, là, c'est quoi? C'était le message. The number of flags over the big top main opening. The number of stars over my makeup mirror. The number of kids that Carney Joe has. C'est ça le code. Mais au-dessus de son miroir, il n'y a pas d'étoile. Ah, son miroir, oui, peut-être là-bas au cirque. Ransom. Qu'est-ce que c'est que ça? I caught you before you went on stage. Autographs are $100. Ransom, I'm your business manager and lawyer. I don't want your autograph. Okay, 50 then. I just wanted to let you know that your mistress is waiting at your house in Aspen. And your private jet is being fueled and ready to whisk you there when the show is over. Also, we have a deal worth millions to license a line of toddler Ransom the Clown talking insult dolls. Did he get the liability clause waived? Correct. They will assume all liability when the kids grow up to be beepholes. Good. Toddlers start out as... It's not my fault they end up that way. Incroyable, idole des jeunes. Okay, fine. $25. I should have been a dentist. You. Okay. My circus poster featuring the amazing Ransom the Clown.
Bon là, il y a des fanions partout, d'accord. On s'en fout. Au-dessus du chapiteau qui disait... Oh non, putain, un mime sur échasse, quoi, tout va mal. Ah, alors le nombre de drapeaux, c'est 4. Les coulisses. Ah oui, c'était les gamins de qui ? The number of flags over the big top main opening. The number of stars over my makeup mirror. The number of kids that Carney Joe has. Nombre d'étoiles, 2. Ok. Ah bon, la carnet de Joe. Ouais. Très bien. Le pot à gros mots. It's my ransom the clown swear jar with 138 bucks in it. 138 balles. That I'm the only one who's allowed to swear. Anyone else caught swearing has to pay up. Parfait. Tu veux pas prendre ta thune? I'll just take the big bucks. Très bon choix. It's exactly 138 bucks in unmarked bills. I'm not a wannabe pirate. You'll never get me to climb into one of those. Les références à Monkey Island toujours encore. Allez vers le fucking maquillage. It's my special custom-made clown makeup. I am tired of putting it on every night. Sure as wish there were a more permanent variety. Alors, incroyable mais vrai, le gel pour les cheveux donc. Ooh, my clown fro looks great now. Ça c'est fait. Allez, utilise ton maquillage nul. Now there's the face I love. Ok. It must be that other clown's hat. I don't do hats. Bah oui. I look marvelous. Ready to knock 'em dead. Alors ça, ça amène sur la scène, mais on n'a pas envie d'aller sur la scène tout de suite. I can't go on stage without my joke book. I might forget my... I can't walk in through the main entrance like a tuna-headed pleb. I'm Ransom the Clown. I need to make my salaud big stage pauvre. Entrance. Donc... Ah, il y avait une machine à popcorn. Qu'est-ce qu'on en pense? It's fresh out of that crappy popcorn. Must be a huge crowd in the big top. Diante. On va marquer une petite pause. Je sais pas si je coupe la VOD. Ouais, vaut mieux que je la coupe. Donc à tout de suite, YouTube. C'est rigolo, on va continuer, même si je suis au bout de ma vie. Et il faut qu'on récupère l'agent, la femme. C'est la panique. Mets un pouce bleu. Et abonne-toi... Abonne-toi, je ne sais pas, à la chaîne de Jérémy. Des bisous.